Mesdames et messieurs les représentants, mes chers collègues, bonjour. Je déclare la séance ouverte et je voudrais en notre nom adresser nos salutations aux représentants de la presse ici présents, adresser nos salutations au public. Lorana. Je voudrais aussi, en notre nom, à ceux qui sont restés, adresser nos salutations particulières et notre bienvenue aux nouveaux rentrants au sein de notre Assemblée. Je voudrais donc accueillir en notre nom à tous ici Madame Linda Taharangi. Là, à Madame Stella Rochette, adresser notre bienvenue à Monsieur André Pihata, à Madame Véronique Mouévaï Amon, voilà, Monsieur William Wangchou, Madame Marie-Madeleine Mamatouahia Tapou, Monsieur Jacques Brion, les îles sous le vent, et Madame Montaïna Taki, de Tuamotu. Donc, ces huit représentants prennent lieu et place des ministres qui ont été promus donc hier en tant que membres du gouvernement. Je demande au secrétaire général de faire lecture de la convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 14 septembre 2007. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de sa session budgétaire le jeudi 20 septembre 2007 à 9 h. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par monsieur le président Edouard Fritsch. Je vais vous faire l'appel des représentants. Madame Algoïma, présente. Madame Vic Sabrina, présente. Madame Bouzi Hairawa Auxilia, présente. Madame Bob Dupont-Tamara, présente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présent. Monsieur Brian Jacqui, présent. Monsieur Calson Jean-Michel, présent. Madame Chinfo Rosina, présente. Madame Flore Romance, présente. Monsieur Flos Gaston, absent. Monsieur Foster Temauri, présent. Monsieur Frich Edouard, présent. Madame Fuller Tilda, présente. Madame Haïti Pascal, absente. Madame Irshon Nounoutea, présente. Madame Irti Teoura, absente. Monsieur Komoutini René, présent. Monsieur Lison Marcelin, présent. Madame Amatoua Yahouta Marie-Madeleine, présente. Madame Araya Emma, présente. Monsieur Maraïda Teina, absent. Monsieur Mataoua Mairon, présent. Madame Marty Juliana, présente. Madame Ersuran Armel, présente. Madame Ouevei Amo Véronique, présente. Monsieur Moutam Thomas, présent. Madame Naya Tripaya Maron, présente. Madame Olivier Marise, présente. Madame Parker Eleanor, absente. Madame Pater Delia, présente. Madame Persegal Daniel, présente. Monsieur Piate André, présente. Madame Richton Monique, présente. Monsieur Rivetta Frédéric, absent. Madame Rochette Stella, présente. Monsieur Chil Philippe, présent. Monsieur Soumès Eugène, présent. Madame Tata Fabiola, présente. Madame Tairo Lucette, présente. Madame Tahara Guilinda, présente. Madame Tahiata Chantal, présente. Madame Tawatama Juliette, absente. Madame Taki Mautaina, présente. Madame Tama Françoise, présente. Monsieur Tefarere Hirohiti, présent. Monsieur Terimate Ruben, présent. Monsieur Teritier Roberto, présent. Madame Teruata Sylviane, présente. Madame Tétonouï Lana, absent. Monsieur Tétonouï Noa, présent. Monsieur Tongson Gaston, présent. Madame Touchobillard Catherine, absent. Monsieur Veraroa Howard, présent. Monsieur Mambastoler Raymond, présent. Monsieur Vernondon Émile, présent. Monsieur Vijac, présent. Monsieur Wanchou William, présent. Voilà, monsieur.
Bien, 48 présents, le quorum est atteint. Demande au secrétaire général de nous donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunie lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, discours du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 3, discours du président de la Polynésie française. Point 4, débat sur le rapport d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes concernant la gestion de la société d'économie mixte Haïti-Nouiravaï au cours des exercices 2000 à 2006. Point 5, examen des rapports, projets, délibérations et des avis. Voilà, les joints. Point 6, désignation de rapporteur de projet ou proposition de loi de pays. Point 7, examen de la correspondance. Et enfin, point 8, clôture de la séance. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé, qui est pour, à l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Donc, conformément à l'article 4 du règlement intérieur de notre Assemblée, cette séance débute par un discours du président de l'Assemblée de la Polynésie française, suivi de celui du président de la Polynésie française. Toutefois, lors de la réunion de la conférence des présidents lundi dernier, il a été décidé de renvoyer le prononcé de ces discours à la semaine prochaine. En effet, compte tenu de la nomination toute récente des membres du gouvernement, un délai donc supplémentaire a été donné au président de la Polynésie afin de lui permettre de prononcer un discours concernant l'activité de l'ancien gouvernement. On est dans un cas de figure particulier, la situation économique et financière de la Polynésie française et éventuellement les orientations qu'il compte retenir pour le budget 2008. Donc, je vous propose de reprendre nos travaux la semaine prochaine. Vous avez des observations sur... oui, Monsieur Jean-Christophe Buisson. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais d'abord, au nom du groupe Polynésien Ensemble, constitué de 13 représentants, je le disais tout à l'heure, au secrétaire général, puisque les courriers sont ici d'adhésion au groupe et vous seront remis tout à l'heure. D'abord, saluer nos anciens camarades, représentants, et leur dire bienvenue dans notre assemblée. Après la constitution de gouvernement, nous le savons tous, les membres du gouvernement représentants ont été remplacés par les suivants listes et nous sommes contents de revoir un certain nombre de représentants que nous connaissons bien et souhaiter évidemment que nos débats soient fructueux lors de nos séances. Je voudrais, Monsieur le Président, regretter l'entorse évidemment au protocole d'ouverture de la session budgétaire par le manquement du président du gouvernement dans son intervention qui aurait dû se faire aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons tenu une conférence des présidents de groupe et j'ai eu l'occasion à ce moment-là de dire aux représentants du groupe UPLD, M. Myron Matawa, mais également à M. Giros, qui était présent à l'occasion de cette petite réunion que nous avons tenue, la nécessaire intervention du président qui, je présume, depuis qu'il est en politique, c'est-à-dire depuis 30 ans, a forcément une bonne vision de ce qu'il souhaite pour la Polynésie sur le plan économique, social, culturel, voire même institutionnel. Et le seul fait que son gouvernement ait été constitué que récemment, après le vote de la motion de censure, n'est pas une excuse pour ne pas aujourd'hui livrer devant nous sa vision de l'avenir de notre pays. En tout cas, nous prenons acte de ce manquement. Et en ce qui nous concerne, nous allons voter contre le report de cette réunion à la semaine prochaine pour les raisons que je viens d'évoquer. Merci. Président. Monsieur le Président. Pour le groupe UPLD. Monsieur Ambassadeur.
Monsieur le Président, je pense que, bien au contraire, vous avez pris une décision tout à fait raisonnable de reporter la séance solennelle à mardi, que ce n'est pas du tout une entorse, étant donné que c'est la première fois que nous sommes confrontés à une telle situation où un président élu est obligé de rapporter sur l'exercice passé. Donc c'est un problème tout à fait mineur. Un gouvernement installé mardi, un premier conseil des ministres hier, bien évidemment, la raison voudrait que le discours d'ouverture se fasse dans une semaine. Donc je ne partage pas du tout l'avis de mon collègue, M. Buissou. C'est vraiment un problème mineur, M. le Président. Merci. Bien. Pour le groupe Tahoeda Huidatira. Sur l'ordre du jour, M. Noa Tetouanoui. Oui, parole au Breton, Yorana Dmohoa. Un bonjour aux anciens collègues. Et, Monsieur le Président, c'est vrai qu'on se trouve dans une situation anormale. Donc, au vu de ce que vous avez exposé tout à l'heure, et notamment, je pense que vous êtes réunis cette semaine, notamment les présidents du groupe sont réunis. On est dans une situation qui est différente des autres. Mais je pense qu'il faut, Président, il faut laisser le temps au nouveau gouvernement de se constituer cette semaine. On n'est pas à une semaine près pour que le nouveau président nous expose notamment ses visions, ses objectifs pour son nouveau gouvernement, pour l'intervention auprès notamment de sur les grands programmes du territoire. Voilà. Monsieur le Président, on va voter pour. Merci. Merci. Donc, je vous propose, pour arranger tout le monde, et j'ai informé le vice-président du gouvernement qu'au lieu de réunir notre séance, d'ouvrir notre séance solennelle jeudi, nous l'avançons à mardi. Je tiens compte du fait que vous avez besoin d'avoir beaucoup d'informations sur les actions du gouvernement. Et a priori, donc, le gouvernement accepte que nous puissions nous réunir dès mardi et disposer du temps pour l'examen des 17 dossiers inscrits à l'ordre du jour. Donc, pour la séance mardi à 9h, je consulte l'Assemblée. Qui est pour? 37 voix pour. Qui est contre? 11 voix contre. Qui s'abstient? Aucune abstention. D'autre part, mes chers collègues, avant de suspendre la séance, je voudrais vous informer que le projet de loi portant sur la modification du monde électoral de la Polynésie française est attendu vraisemblablement demain ou lundi au plus tard sur le bureau de l'Assemblée. J'ai donc informé le président de la commission des institutions de s'organiser pour réunir sa commission dès mercredi parce que je pense que nous serons saisis en procédure d'urgence. Donc que mercredi, nous suspendions nos travaux pour que tous les représentants intéressés par cette commission puissent participer à la commission des institutions qui se tiendra donc ce mercredi et que la commission des institutions puisse déposer au plus tard vendredi l'avis de cette commission de façon à ce que, avec les délais impartis et prévus par le règlement intérieur, nous puissions, jeudi en 15, donner l'avis officiel de notre Assemblée sur le projet de loi. Donc je vous informe que la commission des institutions se réunira mercredi matin vraisemblablement pour auditionner et commencer à travailler sur son projet de loi. D'autre part, là je m'adresse au président de groupe, M. Myron Matawa et M. Jean-Christophe Buissou, un certain nombre de représentations au sein des commissions intérieures de notre Assemblée et au sein des commissions extérieures de notre Assemblée sont vacants du fait du départ donc au gouvernement de certains de nos collègues. Je vous demanderai d'y réfléchir de façon à ce que nous puissions, à l'issue
de la première séance que nous ouvrirons donc officiellement mardi, nous puissions pourvoir au remplacement de nos collègues qui nous laissent donc aujourd'hui des places vacantes au sein de ces commissions. Nous tiendrons une conférence des présidents dès lundi, à 11h, pour modifier notre ordre du jour, puisque je pense que dès lundi, nous aurons un peu plus d'informations sur la loi électorale. Voilà, mes chers collègues, je suspends la séance et je vous donne rendez-vous à mardi matin, 9h.